Bonsoir. La Bibliothèque publique d'information vous remercie d'être avec nous ce soir pour cette dernière conférence du cycle Habiter, lutter et rêver dans un monde en crise. Donc la conférence de ce soir sera consacrée aux enjeux de la justice environnementale. Elle s'intitule « Qui doit être sensibilisé à quoi ?». Donc je tenais à remercier particulièrement Sylvie Astric et Émilie Hache qui ont conçu ce cycle de conférences. Émilie Hache qui fait partie des intervenantes ce soir et dont le dernier ouvrage est paru donc jeudi dernier. Donc un recueil de textes qui est consacré à l'écologie politique et donc des textes qui permettent d'articuler écologie politique et différentes sciences humaines. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir également Caroline Lejeune, qui est chercheure à Sciences Politiques Lille. Et le débat sera animé par Jeanne Lingard, qui est journaliste à Mediapart. Donc je vais lui laisser la parole pour présenter le débat et nos intervenantes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Le 11 mars 2014, le journal Le Parisien publie en une photo de Paris sous un nuage brun de pollution, sous un titre choc, respirer tue. La cause de cette mortalité dénoncée est la pollution atmosphérique, due au gaz d'échappement des véhicules diesel, au chauffage des bâtiments, au transport aérien et à la pollution industrielle. Les vecteurs de cette pollution sont les particules fines, le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles et le monoxyde de carbone. En 1996, le nombre de décès attribuables aux particules PM10 s'élevait à 32 000 en France, dont 55% imputables au trafic routier. Ce nombre est plus élevé pour les particules fines, il s'élevait à 42 000 en l'an 2000. Respirer tue, mais tue qui ? Les concentrations des particules apparaissent particulièrement élevées à proximité du trafic routier. Habiter à proximité de voies à forte densité de trafic automobile pourrait être responsable de 15 à 30% des nouveaux cas d'asthme chez l'enfant, ainsi que des problèmes respiratoires et cardiovasculaires chez les 65 ans et plus. C'est une grande étude européenne, AFECOM, qui l'a établi. On n'est pas à égalité face à ce risque. Cette inégalité territoriale s'ajoute aux inégalités sociales. Qui habite le nez au-dessus du périph' parisien, pas les plus riches, qui part en week-end en vacances et quitte son logement exposé à la pollution de l'air, pas les plus pauvres. Que l'on naisse riche ou pauvre, que l'on soit un cadre supérieur ou une travailleuse précaire, un jeune professionnel ou un vieux chômeur, on n'est pas exposé aux mêmes risques environnementaux et sanitaires. Les inégalités environnementales sont nombreuses et souvent difficiles à percevoir, y compris par ceux qui en sont victimes. Quelles sont les interactions entre le social et l'écologie ? C'est l'un des objets de la discussion de ce soir, intitulée « Qui doit être sensibilisé à quoi ? Enjeux de la justice environnementale ». La philosophe Émilie Hache discutera les spécificités du mouvement pour la justice environnementale aux États-Unis, en tout cas notamment, et son lien avec les milieux populaires. Ensuite, dans un deuxième temps de discussion, la chercheuse en sciences politiques, Caroline Lejeune, y présentera sa recherche sur l'interaction du social et de l'écologique dans un projet de rénovation urbaine dans le nord de la France. La règle du jeu est la suivante, elles ont chacune 20-25 minutes maximum de présentation, je serai impitoyable, suivie éventuellement de quelques questions de complément, de précision, et ensuite, et surtout, la parole sera donnée à la salle. Merci, et Émilie, on commence par toi. Bien, merci. Donc, je souhaitais effectivement conclure ce cycle par la présentation d'un autre mouvement écologiste évoqué la dernière fois en raison de ses rapports avec l'écoféminisme, on y reviendra tout à l'heure, qui est ce mouvement de justice environnementale, qui est pour moi un mouvement qui est à la fois passionnant et à la fois crucial par les différents problèmes et les différents enjeux qu'il pose et que j'aimerais partager avec vous et puis... dans un second temps, effectivement, discuter avec les recherches contemporaines de Caroline Lejeune ici et des spécificités, finalement, de cette question des inégalités écologiques en France. Alors, le mouvement de justice environnementale, c'est un mouvement qui est né
aux États-Unis dans les années 80, plus ou moins contemporains, relativement contemporains, des mouvements antimilitaristes dans lesquels ont émergé l'écoféminisme dont on avait parlé la dernière fois. Et en fait, c'est le nom qui est donné à des mobilisations de population qui se sont multipliées pendant les années 80-90 contre des décisions et des pratiques industrielles comme gouvernementales à l'origine de nuisances environnementales et sanitaires souvent très graves. Alors, peut-être que juste une dernière référence à la dernière fois et après, c'est la dernière, mais pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être d'une image d'archives qui avait été présentée par l'autre personne qui était ici avec nous, qui s'appelle Bénédicte Zitouni, d'une action des écoféministes en 1980 contre le Pentagone. Avant d'aller à cette manifestation, ces femmes étaient allées au cimetière de Arlington et elles avaient déposé des fausses pierres tombales pour toutes les victimes des différentes décisions et actions militaires et nucléaires. Et sur l'une d'entre elles, on voyait une inscription sur l'une de ces pierres tombales qui était la suivante, Love Canal Victims. Bon, là, vous avez évidemment une image d'archive qui concerne ce scandale-là dont je voudrais vous parler à présent. Et c'était en effet une référence directe donc à un des premiers conflits de ce mouvement de justice environnementale qui eut lieu à la fin des années 70. Cette histoire-là, donc, qui est tristement célèbre sous le nom de Love Canal, c'est le nom finalement qui est associé à un scandale qui s'est passé dans la banlieue de Niagara Falls, dans laquelle une entreprise chimique qui s'appelle la Hooker Chemical Company racheta en fait dans les années 40 un canal abandonné et construit un demi-siècle plus tôt par un certain Mr. Love. Donc, c'est pas du tout une histoire d'amour, simplement le monsieur qui avait acheté ce canal s'appelait Mr. Love. Et dans ce canal, cette entreprise y stocka 21 000 tonnes de déchets toxiques, certains étant radioactifs, qui s'infiltrèrent dans le sous-sol, contaminèrent donc les sols, l'eau et l'air. L'usine ferma en 1953 exactement, sans avoir du tout nettoyé ce canal, ni les sols, ni l'eau. Et en raison finalement de la pression foncière qui était liée au succès des chutes du Niagara qui était juste à côté, qui était devenu un des sites touristiques les plus fréquentés des États-Unis, eh bien l'entreprise céda son terrain à la mairie pour qu'elle y construise des habitations et une école. Et ce sont alors, suite à cela, vous en doutez, multipliés dans les années suivantes, des problèmes de santé parmi la population qui y habitait, qui était principalement une population relativement modeste, ouvrière. Les enfants se plaignaient de maux de tête, d'asthme, d'infections urinaires, les femmes de problèmes de fécondité, de fausses couches, etc. Et le scandale fut révélé à la fin des années 70 et donna lieu à une assez longue bataille juridique, au terme de laquelle, en 78, l'entreprise fut condamnée, le quartier fut évacué, maisons et écoles furent rasées, et le quartier est encore aujourd'hui aux États-Unis une zone interdite qui peut avoir une allure relativement innocente puisque on dirait que c'est une sorte de prairie verte puisqu'il n'y a plus rien dessus, mais qui est quand même entourée de barbelés de plus de 2 mètres de hauteur. 4 ans après ce scandale-là, en 82, éclate un autre scandale de contamination, cette fois de contamination de l'eau, par 2 industries chimiques dans une ville du Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis, qui éclata à la suite de révélations concernant un nombre supérieur à la moyenne nationale de leucémie et d'autres types de cancers que les enfants de ce territoire-là malheureusement purent subir. Et les habitants, en faisant des recherches, trouvèrent un très haut niveau de contamination de l'eau et firent alors le lien et s'engagèrent alors dans une poursuite judiciaire contre ces industries et gagnèrent en partie le procès. 4 ans encore après, en 86, les habitants d'un quartier pauvre de Los Angeles découvrirent un projet d'installation dans leur quartier d'un incinérateur de déchets. Et contre les inquiétudes des habitants face aux conséquences possibles de dégradation de leur qualité de vie en raison des nuisances de cet incinérateur,
les pouvoirs publics rétorquèrent qu'il s'agissait de peurs complètement infondées, irrationnelles, que cet incinérateur allait prendre en charge des déchets, le fait que cet incinérateur allait prendre en charge des déchets aux contaminations hautement toxiques et qui allait de fait contaminer l'eau, l'air comme le sol de ces quartiers. Et à la suite de cette révélation, enfin de cette découverte par les habitants, ces derniers décidèrent de créer une association qui s'appelle l'Association des citoyens concernés du quartier sud de Los Angeles, qui réussit à mobiliser un réseau d'organisations de quartier, de responsables politiques locaux et d'acteurs économiques qui eurent raison finalement de ce projet qui pourtant était un projet de l'ordre de 500 millions de dollars et qui obligèrent la mairie à revenir sur sa politique de gestion des déchets. Je m'arrête là pour cette série d'histoires à la fois de scandales sanitaires et d'histoires de mobilisation, mais c'était pour vous donner un aperçu d'un nombre comme ça qui n'est pas du tout exhaustif dans ce que je viens de vous présenter, de scandales qui se sont multipliés encore une fois dans ces années 80-90 aux États-Unis. Et c'est de ça que finalement a émergé ce mouvement dont je vous parle en ce moment, qui est donc ce mouvement de justice environnementale. Les mobilisations et les conflits auxquels donnèrent lieu ces différents scandales sanitaires industriels ont, on pourrait dire, réussi à démontrer l'existence de liens entre pauvreté et inégalité d'exposition aux nuisances environnementales. Comme le disait tout à l'heure Jade en introduction, effectivement, elles montrèrent que nous ne sommes pas égaux devant ces nuisances environnementales et qu'il s'agisse pour le coup de pays riches comme de pays moins riches, il y a clairement un partage inéquitable, on pourrait dire des ressources, mais également des nuisances environnementales. Certains semblent effectivement jouir d'un environnement sain, aimable, esthétiquement beau, protecteur, agréable, tandis que d'autres semblent plutôt subir un environnement dangereux, nuisible et parfois aussi très laid. Et au vu de ce constat empirique, on pourrait effectivement considérer que certaines vies semblent compter moins que d'autres, en tout cas que certaines vies semblent en partie payer peut-être le prix d'un mode de vie de population plus aisée qui résulte d'un certain nombre de choix qu'on a fait dans nos sociétés, mais dont seule une partie de la population bénéficie réellement. Et au cours de ces différentes manifestations, de ces différentes mobilisations, les personnes finalement engagées dans ce mouvement ont commencé à poser un certain nombre de questions, reprenant un petit peu celle que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir finalement qui est le plus exposé aux nuisances et aux risques environnementaux, qui habite en effet près d'une autoroute, qui habite près d'une décharge, qui habite près d'une usine polluante ou qui, à l'inverse, jouit d'un environnement sain, bien entretenu, relativement beau et épanouissant. Et une des spécificités de ce mouvement de justice environnementale américain, c'est que, outre les liens qui ont été montrés et démontrés entre pauvreté et nuisance, ces différents scandales sanitaires qui se sont donc succédés ont montré également des liens entre ces inégalités environnementales et, on pourrait dire, inégalités entre les couleurs de peau, hein, puisque finalement c'était, on s'en doute, souvent des personnes de couleur qui faisaient majoritairement partie des populations les plus pauvres et qui se révélèrent finalement les plus concernées par ces nuisances environnementales. Il y a un rapport célèbre que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle sur les déchets toxiques et les rapports sociaux de race, comme on les appelle aux États-Unis, qui a été publié en 1987 par une église et qui a compilé en fait les résultats d'une étude nationale en montrant finalement qu'aux États-Unis, la couleur de peau semblait le facteur dominant concernant l'emplacement des sites privés de traitement de déchets. Et dans sa conclusion, il stipule que les gens de couleur, que ce soit afro-américains, latino-américains, amérindiens, encouraient un risque disproportionné concernant la santé de leur famille, la pollution de leur environnement. Et c'est à la suite de cela qu'est clairement articulée à ce mouvement de justice environnementale l'idée qui est très importante et discutée aux États-Unis de ce qui s'appelle aujourd'hui l'idée d'un racisme environnemental. La dernière caractéristique de ce mouvement, qui est donc, vous l'avez compris, articulée autour des enjeux environnementaux, ces enjeux environnementaux aux problématiques de justice et d'inégalité sociale, tient à ce que la majorité des personnes que l'on voit à chaque fois mobilisées quand on lit les différentes histoires de ces scandales-là sont des femmes.
souvent, vous vous en doutez, des femmes de conditions modestes, et pour une large partie, évidemment aussi, des femmes de couleur. Alors, je l'avais précisé également la dernière fois, quand j'avais fait allusion à ce mouvement-là, on ne trouve pas au sein de ce mouvement de justice environnementale de revendications féministes ou écoféministes à proprement parler. Mais en revanche, et c'est caractéristique de ce mouvement, le rôle des femmes est absolument central dans chacun de ces conflits. Ces dernières, qui sont principalement des femmes au foyer, des mères de famille, de classe populaire, sont des femmes qui n'étaient souvent pas du tout politisées ou très peu politisées avant l'éclatement de ces différents scandales, et qui sont devenues, ou du moins ont été très largement sensibilisées, à la fois aux enjeux écologiques et puis aux enjeux féministes au cours de ces mobilisations. Je vous donne un exemple lié à ce conflit dont je vous ai parlé tout à l'heure de Love Canal. Il y a une héroïne célèbre et réelle qui s'appelle Louise Gibbs, qui est à l'origine en fait de cette mobilisation connue sous le nom de Love Canal, qui a écrit un livre avec une autre personne pour l'aider à l'écrire, qui raconte son histoire, qui s'appelle Love Canal My Story, qui est sorti en 82. Et en fait, c'est cette femme qui, en voyant son fils à la fin donc des années 70 multiplier ses week-ends à l'hôpital en raison de crises d'épilepsie, de crises d'asthme et d'infections urinaires, qui a commencé évidemment à très largement s'inquiéter. Alors dans un premier temps, elle considérait que les ennuis de santé de son fils étaient liés finalement à leur histoire familiale, jusqu'au jour où elle a lu un reportage dans un journal local sur cette usine chimique dont je vous parlais tout à l'heure. Et après recherche, elle s'est aperçue que l'école de son fils avait été construite justement à l'emplacement d'une partie des déchets enfouis. Et elle a commencé alors à aller voir la mairie, elle a demandé à changer d'école, elle a demandé à ce que le site soit décontaminé. Et à toutes ces demandes, elle a reçu des réponses négatives. On lui a répondu que la pollution était relativement insignifiante, qu'elle correspondait, je crois, je ne l'ai pas renoté, à fumer 3 cigarettes par jour, donc c'était vraiment pas grand-chose, qu'elle s'est fait accuser d'hyper-émotive, de sentimentalisme, et l'expression qui est restée vraiment associée à cette mobilisation, c'était l'expression de femme au foyer hystérique. Et c'est parce qu'elle n'a pas été prise au sérieux qu'elle a commencé, en fait, véritablement à se mobiliser politiquement, qu'elle a été voir ses voisins, qu'elle a créé l'association des habitants de Love Canal, et qu'ils ont commencé à faire des manifestations, des blocages de construction de sites, à l'aide de poussettes notamment, qu'elles ont commencé à vandaliser des sites, à brûler l'effigie du gouverneur, qu'elles se sont fait arrêter, bref, qu'elles se sont vraiment rentrées dans un vrai activisme, et qu'au bout de 2 ans, leur lutte a abouti à l'évacuation de près d'un millier de familles. Et c'est ce mouvement, en fait, quand vous allez lire un petit peu l'histoire et le témoignage des différentes personnes qui ont fait part, vous découvrez un grand nombre, d'héroïnes écologiques qui en sont finalement à l'origine. Et de fait, le fait qu'elles ne soient pas, dans un premier temps, politisées, et le fait qu'elles ne soient pas non plus, dans un premier temps, intéressées et qu'elles connaissent bien les enjeux écologiques, finalement, leur a été, d'une certaine façon, reproché, dans le sens où une des sociologues américaines qui s'est beaucoup intéressée et qui est une des spécialistes de ce mouvement de justice environnementale, qui s'appelle Giovanna Di Chiro, racontait dans un de ses articles que lorsque les membres de l'association des citoyens concernés de Los Angeles, vous vous souvenez, c'est une des autres mobilisations dont je vous ai parlé, lorsqu'elles se sont aperçues qu'il y avait ce projet d'incinérateur dans ce quartier, comme par hasard, pauvre et défavorisé de Los Angeles, elles avaient contacté en fait un grand nombre d'organisations environnementales classiques américaines, le Sierra Club, l'Environmental Defense Fund, pour qu'elles les soutiennent dans leur lutte contre ce projet d'implantation. Et ces derniers leur avaient, dans un premier temps en tout cas, répondu qu'en fait, cette question d'empoisonnement, ou on pourrait dire de nuisance d'une communauté urbaine, était certes une question de santé publique, mais qu'elle n'était pas une question environnementale. Et les divergences finalement apparues à cette occasion ont amené les acteurs et surtout peut-être les actrices de ce mouvement à questionner ce sur quoi porte l'écologie. Finalement, qu'est-ce qui est, se demandait-elle, et je reprends l'expression de Giovanna Di Chiro, qu'est-ce qui est environnemental et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Est-ce que des combats portant sur des enjeux de santé relèvent pleinement d'une problématique écologique ou pas? Et si cette question peut sembler, on pourrait dire d'une certaine manière, dépassée quasiment aujourd'hui, il faut se souvenir que ce mouvement, enfin que c'est ce mouvement, pardon, qui a très largement réussi à imposer ou à réimposer la question de santé comme une question environnementale, contre certaines accusations à l'époque d'anthropocentrisme, et rendant visible finalement que c'est que les enjeux à la fois d'un côté de préservation de la biodiversité et puis de soucis aussi de santé pour les populations humaines, loin de s'opposer, loin de s'exclure, étaient en réalité très largement liés, puisque évidemment c'était une même pollution qui détruit les sols, tue la biodiversité et puis empoisonne les populations humaines. Et le mouvement de justice environnementale est principalement un mouvement, je vous le disais, politique et activiste, mais il y a un certain nombre de textes qui se sont construits, de textes de, voilà, théoriques et en même temps activistes qui se sont écrits autour. Et ce mouvement a souhaité finalement redéfinir l'écologie de la façon suivante, comme l'endroit dans lequel on travaille, dans lequel on vit, dans lequel on joue, renouant finalement, on pourrait dire, avec le sens étymologique même de l'écologie, hein, qui est celui d'oikos, de maison, d'habitat, par contraste avec une conception de la nature comme d'un dehors ou comme, on pourrait dire, quelque chose de relativement extérieur à nous. Alors, il ne s'agit pas du tout ici de revenir à un imaginaire d'une nature comme notre maison, qui serait toujours un peu lié à un rapport de, on pourrait dire, de conquête ou d'appropriation, mais plutôt de faire sentir, pour les personnes qui souhaitaient redéfinir de cette façon-là ces enjeux écologiques, de les faire sentir comme quelque chose qui ne sont pas extérieurs, qui constituent encore une fois pas un dehors sans lien avec nous, mais au contraire que ces enjeux environnementaux, évidemment, traversent toutes les dimensions de nos vies, dans le sens où l'air que l'on respire, évidemment, est fondamental, au même titre que l'environnement dans lequel on vit et que le monde dans lequel nous habitons. La seconde objection... je suis très en retard. Non, ça va. La seconde objection, pardon, qui a été très importante et qui fait partie du débat autour de ce que c'est finalement que l'écologie pour ce mouvement-là, c'est le fait que finalement les populations qui se sont mobilisées dans ces différents conflits, en fait, bon, on s'intéresse aux enjeux écologiques, mais parce que ça, c'est les leurs, quoi, c'est à leur porte, hein, et qu'en fait, ils ne s'y intéressent pas de manière plus large. Autrement dit, on leur a finalement reproché d'être un peu égoïste. C'est l'objection que l'on trouve, certains d'entre vous doivent sûrement le connaître, sous l'expression de « pas dans mon jardin ». Voilà, c'est vraiment une opposition qu'on leur a, enfin une accusation dont ils ont été largement victimes. Alors, il y a une histoire relativement longue maintenant de cet acronyme et ça a donné lieu à des usages divers. Mais enfin, c'est en gros une expression qui a été inventée par les pouvoirs publics pour disqualifier, dans un premier temps, ceux qui résistaient à leur projet d'aménagement d'espace public, typiquement comme celui du projet d'incinérateur. Et on pourrait dire qu'en tout cas, en ce qui concerne ces accusations concernant des problématiques environnementales, comme l'a souligné un grand historien indien qui est spécialiste de ces questions environnementales, qui s'appelle Ramachandra Guha, en fait, on pourrait considérer que ce mouvement de justice environnementale a très largement... participer, on pourrait dire, à transformer ce type d'accusation. Hein, ce serait finalement des personnes à chaque fois égoïstes qui s'intéresseraient à un petit bout du problème et après elles s'en fichent. Alors que tous ces mouvements ont montré au contraire des personnes qui se politisaient et qui rentraient dans une conscience et dans un intérêt très large et propre aussi à leur problème, ce qui n'est pas en tant que tel une critique. En fait, avaient donc contribué à transformer cette problématique-là, en une problématique, on pourrait dire, plus générale, qui était, c'est pas le problème de, c'est pas dans mon jardin, mais que ça devrait être dans le jardin de personne, et pas seulement pas dans mon jardin à moi. Hein. Dans le sens où on pourrait considérer que si jamais il y a un type d'accusation de cet ordre-là qui serait pertinent, eh bien, ça nous oblige finalement à nous poser la question de savoir si personne ne veut d'industrie chimique à côté de soi ou si personne ne veut de ce type d'incinérateur. Il ne s'agit pas de pointer certains comme plus égoïstes que d'autres, mais le problème est peut-être plutôt du côté de l'industrie chimique ou de ce type d'incinérateur. En tout cas, ils ont contribué, autrement dit, à transformer ces questions-là en des problèmes communs, de savoir comment on gère, encore une fois, collectivement ces industries, leurs nuisances, etc. Et un troisième et dernier point qui finalement a été aussi un autre grand point de discussion concernant ce mouvement de justice environnementale et qui est vraiment qui porte sur une de ses grandes caractéristiques, c'est le
finalement une sorte de mépris même à l'égard de, finalement, de la nature populaire de ce mouvement-là. Il est souvent, en anglais, on trouve toujours le terme de grassroots à l'égard de, pour désigner ce mouvement-là, puisque, je vous le disais, effectivement, les personnes qui se sont engagées à chaque fois dans ces différents conflits n'étaient pas du tout politisées, c'était pas des militants dans un premier temps, ils avaient souvent pas fait d'études, et c'était une grande partie d'entre eux des femmes au foyer, des ouvrières, des personnes travaillant dans un certain nombre de métiers domestiques. Autrement dit, c'est des mobilisations qui se sont faites sur le tas. Louise Gibbs, dont je vous parlais tout à l'heure, va voir ses voisines pour faire quelque chose, parce que c'est absolument plus possible et c'est pas possible de ne rien faire. Et c'est à peu près à chaque fois comme ça que ça s'est passé pour l'ensemble de ces mobilisations. Celles concernant l'incinérateur, c'est aussi une histoire de voisine dans un premier temps, qui ensuite a monté une association, qui a créé des relais sur d'autres associations, etc. etc. Et à l'égard de cette façon, on pourrait dire même, de faire de la politique, est sortie l'expression d'une sorte de recherche et de politique de coin de table de cuisine. Quoi. Voilà. Et effectivement, ces bonnes femmes, sans culture militante, sans fond théorique, ont formé finalement des mouvements aussi qui étaient sans structure de leadership dans un premier temps. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi elles ont très largement peu été prises au sérieux par les autorités auxquelles elles s'adressaient. Et que ces dernières ont souvent été très étonnées finalement de l'engagement et de la force des rapports de mobilisation dans lesquels elles rentraient, auxquels ils ne s'attendaient pas du tout, parce que pour eux, des activistes environnementales, bah, c'était très, très classiquement des hommes blancs, de classe moyenne, éduqués, ce n'était pas ces espèces de bonnes femmes voilà, qui venaient hurler de manière soi-disant hystérique, etc. Or, il me semble, je terminerai là-dessus, et je reviendrai donc sur le titre de cette séance plus tard, c'est pas grave, que outre, voilà, ça m'a un petit teasing pour la suite, outre leurs questionnements qui relèvent donc de ce sur quoi porte l'écologie, ce qui m'intéresse et ce qui me semble très important dans ce mouvement, c'est précisément cette dimension populaire. Savoir que c'est peut-être ce genre de mobilisation qui me semble peut-être en partie manquer, notamment ici, qu'en tout cas, c'est à la lumière aussi du questionnement de ce sur quoi porte l'écologie de ce mouvement-là, que l'on pourrait, c'est une invitation, hein, lire et relire certains conflits, aussi bien d'ailleurs passés que présents, qui se passent en France et qui pourraient tout à fait faire partie d'une histoire environnementale peut-être plus large qu'on ne le pense généralement. Je pense, et de manière exprès, un petit peu dans le désordre, à différents mouvements, différents conflits. Je pense à une association de riverains dans des banlieues aujourd'hui de Paris, notamment de Saint-Denis ou de Bervilliers, qui se sont constituées pour, par exemple, insister pour recouvrir l'autoroute qui coupe en deux cette ville et qui empoisonne évidemment ses habitants. Je pense, je vous le disais, à une autre association qui s'est constituée aussi dans une autre banlieue, Aubervilliers, contre la multiplication des data centers dans cette ville. On pourrait penser aux mobilisations des victimes de l'amiante. On pourrait penser, pourquoi pas, au mouvement des Antilles françaises qui s'était passé maintenant il y a quelques années, à Notre-Dame-Lande. En fait, il y a peut-être beaucoup plus de conflits et de mobilisations qu'on ne pense en France qui pourraient en fait relever beaucoup plus largement de ces conflits dits de justice environnementale. Merci beaucoup. Émilie. Et à la fois pour la présentation et pour le respect du temps, je vous propose, comme on est bien entré dans la problématique générale du mouvement et en même temps qu'on l'a envisagé uniquement sous une perspective états-unienne, de donner tout de suite la parole à Caroline Lejeune qui, elle, va nous parler d'une situation beaucoup plus proche de chez nous, en France, dans le nord du pays. Et donc, de la même manière, je te passe la parole pour la même durée de temps, c'est-à-dire 25 minutes maximum. Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de cette séance, ainsi que mes collègues à côté pour ce débat sur la justice environnementale. En France, la question de la justice environnementale ne s'est pas posée dans les mêmes termes, et pour deux, trois raisons principales. La première, c'est qu'on ne peut pas parler de revendications
de revendications de droits civiques et de racisme environnemental, comme Émilie l'a pu l'expliquer. Pas qu'il n'y ait pas eu de mouvement de lutte contre les discriminations, mais elles ont rarement associé des demandes environnementales. Elles ont certainement demandé des revendications d'inégalités territoriales. Le fait que les populations les plus précaires soient à l'extérieur et à la périphérie des villes, ou le fait qu'il y ait d'exclusion territoriale dans l'urbanisation et l'architecture des territoires. Alors, aussi, en France, il y a très peu de mouvements, finalement, qui se revendiquent de la justice environnementale. C'est surtout les chercheurs qui vont les désigner en tant que tels, après les avoir étudiés et avoir fait un travail de terrain assez poussé, ou récemment, l'Europe qui a monté un atlas des mouvements de justice environnementale au niveau européen et mondial, et qui recense certains mouvements importants, à la fois de mouvements de justice environnementale, mais aussi des mouvements dits activistes ou qui résistent. En France, il y en a 5 qui ont été identifiés, alors Notre-Dame-des-Landes, ensuite une mobilisation contre un site nucléaire, un Saint-Paul de Durance, à Pau aussi contre une infrastructure de transport terrestre, à Lyon contre un stade de foot. Vous voyez bien la diversité des mouvements qu'il peut y avoir, mais ça montre surtout qu'on peut les identifier, les chercheurs peuvent les accompagner, et je pense que ça a été une des réussites aux États-Unis de la montée de ce mouvement-là en France, et notamment de la création de l'EPA, qui est l'établissement de protection environnementale, qui permet de recenser et donner une information sur les expositions en nuisance. Nous aussi, on a ça aussi en Europe. On a eu la convention Aarhus qui permet de donner une information relativement claire sur les nuisances environnementales quand on est au courant. C'est une information minimale. Et on a vu progressivement les sites industriels à haut risque ou les sites qui ont des pollutions chimiques assez importantes être classifiés dans les sites Basias et Bastol, qui permet de recenser un peu dans le code de l'environnement les espèces à forte dangerosité. Alors, cette notion d'inégalité environnementale, de justice environnementale, va surtout passer en France par les inégalités environnementales. Alors, on va parler d'inégalité environnementale, d'inégalité territoriale, d'inégalité écologique. C'est une notion assez floue qui va apparaître depuis les années 2000-2002 avec le comité de préparation pour le sommet de Johannesburg et qui va progressivement s'institutionnaliser en France. Encore avec une place assez importante de la part des chercheurs, notamment en géographie, qui vont mener des travaux importants en écologie urbaine et qui vont permettre progressivement, notamment en 2003, de proposer une classification. Donc les inégalités environnementales, territoriales et écologiques sont des inégalités d'exposition aux nuisances environnementales, des inégalités d'accès aux ressources naturelles, des inégalités d'accès aux aménités, les inégalités de manque de nature. En gros, tout ce qui est inégalité par rapport à l'environnement, on le met dans la poche des inégalités environnementales. Il y a aussi la difficulté, je pense, en France, de pouvoir concevoir que l'environnement puisse être une question politique, même si effectivement on va le revoir ressurgir là récemment avec Notre-Dame-des-Landes ou avec d'autres mouvements écologistes. Mais c'est vrai qu'il y a une dépolitisation de l'environnement qui ne va pas être prise en compte par les institutions. Ensuite, avec le développement durable et l'arrivée des stratégies de développement durable et des politiques de développement durable, les inégalités environnementales vont être davantage travaillées dans les politiques urbaines et vont vraiment avoir une accroche territoriale et locale. C'est vraiment une spécificité française et certainement européenne d'avoir une approche très territorialisée des inégalités environnementales. Et puis, il y a les inégalités écologiques. Et les inégalités écologiques, et là je m'appuie sur Syria Emelianov qui a fait un très très gros travail sur les inégalités environnementales et écologiques, me semblent plus globales. Elles me semblent plus globales dans la mesure où elles expriment non seulement une inégalité d'accès aux ressources naturelles, mais aussi une inégalité d'émissions de gaz à effet de serre. Et compte tenu de la crise environnementale actuelle, cette question est de plus en plus pressante à mettre à l'agenda politique et du coup à pouvoir travailler au niveau français. Je vais donc vous parler d'un territoire de mobilisation, je vous rassure, mais d'un territoire. Ce territoire, c'est le territoire de l'Union que vous voyez derrière moi. Il est entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Tourcoing au nord, Roubaix au sud, Wattrelos à l'est. C'est un ancien territoire industriel de 80 hectares qui est bordé, comme vous le voyez,
dans un tissu urbain très très dense. Oui, dans un tissu urbain très très dense, autour de 8 quartiers sont à sa proximité. C'est un quartier très précaire, c'est au versant nord-est de la métropole lilloise. C'est un quartier très pauvre, des quartiers très pauvres, qui sont intimement liés à l'histoire de l'industrie et de la désindustrialisation du site. Pour la petite anecdote, la ville de Roubaix a été élue pour la deuxième fois la ville la plus pauvre de France en janvier dernier. Entre 1970 et 2004, on va assister à un long processus de désindustrialisation. Tout le monde connaît ça, le nord de la France a subi de nombreuses phases, alors qu'il était pourtant le fleuron de l'économie du textile, comme le diraient les anciens du textile, et va osciller entre des projets de stades de foot, encore un, des projets économiques, des projets tertiaires, sans vraiment définir quel va être le projet en question. Et puis, on le définit comme un grand projet urbain économique. Son objectif, c'est d'être un projet d'attractivité économique. Et puis, le développement durable arrive dans les politiques territoriales, à travers l'agenda 21. Et là, on inscrit à l'ordre du jour de l'agenda 21 un écoquartier pilote. Et l'Union est désignée écoquartier pilote de la métropole lilloise. Parce que selon les vice-présidents et l'ensemble des élus politiques de la métropole lilloise, s'il y avait bien un territoire qui le méritait, c'était bien celui-là. Symbole du développement non durable, l'Union se devait d'être une force de démonstration de la ville durable pour adapter nos modes de vie au changement climatique et à la finitude des ressources naturelles. 7 ans après le lancement de la planification du projet, en 2012, l'Union est labellisée écoquartier national. C'est la plus grande distinction du palmarès de la ville durable au niveau national du ministère de l'Environnement. Par conséquent, il va falloir concilier quelques impératifs. Il va falloir concilier des impératifs économiques, puisque c'est toujours un pôle de compétences, et aussi concilier des préoccupations environnementales, sans oublier les quartiers alentours qui sont précaires et les populations qui sont en attente de changement. Parce qu'entre 1970 et 2013, il y a eu une fuite des populations, il y a eu une précarisation massive de la population, et les gens sont en attente de projets. Et puis, parallèlement, on va voir apparaître un collectif d'associations environnementales, d'associations sociales, d'éducation populaire, des centres sociaux, des comités de quartier. Ils sont le résultat d'un héritage urbain assez important, de mobilisations sociales qui ont débuté dès les années 70. L'Almagar, je ne sais pas si vous connaissez, les premières luttes urbaines en France, les premières expertises citoyennes qui ont donné lieu à la création des comités de quartier. Le collectif Canal, qui a lutté pour ne pas détruire le canal de Roubaix qui traverse la zone d'est en ouest. Ils ont lutté pendant 10 ans pour pouvoir maintenir ce canal en état. Et le canal est resté, mais l'autoroute qui devait quand même traverser le territoire passe juste à côté. Les personnes qui sont mobilisées sont des anciens salariés du textile, des habitants précaires, un peu moins précaires, mais s'entendent tous sur un objectif, celui de changer d'air. Et ils vont progressivement mobiliser le registre de la justice environnementale. Ils vont revendiquer la reconnaissance de l'histoire sociale, de la mémoire du territoire. Ils vont lutter contre les inégalités d'accès aux ressources naturelles en y associant la justice sociale et vont revendiquer la participation des acteurs à l'élaboration du projet. Reconnaissance, participation, inégalité d'accès aux ressources naturelles sont des registres relativement courants de la justice environnementale et surtout de leur prise en charge dans les politiques publiques. Ils vont développer des pratiques participatives, ils vont partir voyager en Europe pour découvrir ce qu'est un écoquartier, parce qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est ? Ils vont s'appuyer sur l'histoire du territoire pour essayer de proposer des expertises. Ils vont se former aux enjeux environnementaux en faisant venir sur leur territoire des spécialistes des questions d'environnement ou de démocratie et d'environnement. Et puis, progressivement, ils vont demander le droit de participer et de planifier le territoire en fonction des besoins fondamentaux de la population locale. Se nourrir, se chauffer. Et la nécessité de s'adapter à la finitude des ressources naturelles. En quelques mots, ils vont politiser ce qu'on dit dans un jargon un peu scientifique, la matérialité des contraintes environnementales. Et ils vont essayer de concilier les inégalités sociales et écologiques à partir de l'histoire et de la mémoire.
ils vont faire le rapprochement à partir de l'industrie et de la crise industrielle. Pour eux, c'est la triple peine. Et je cite, « On nous a exploités, on nous a abandonnés, on a pollué les sols de Roubaix et Tourcoing, et en même temps, on a pollué la planète entière. » Pardon, j'ai soif. Hein. Je ne suis pas émue. Non, un peu émue. J'ai soif. Et du coup, ils vont faire converger les enjeux locaux et les enjeux globaux des basculements écologiques autour d'un sentiment injuste. C'est injuste. Pour nous, pour nos enfants et pour notre vie actuelle. Ensuite, ils vont faire un rapprochement entre les inégalités sociales et leur mode de vie et leur dépendance aux ressources naturelles. En 2005, ils revendiquaient de l'emploi, du logement et un beau cadre de vie. Parfait, c'était parfait pour les inégalités territoriales. Mais en 2009, ils revendiquent la relocalisation de l'alimentation, l'autoréhabilitation des logements, la construction d'habitats écologiques partagés, moins de mobilité, relocaliser l'économie par des coopératives ouvriéristes. Quel programme ? Et, comme je vous le disais, ils vont s'appuyer sur la mémoire du territoire. Il faut savoir que la ville de Roubaix de Tourcoing était la capitale des jardins ouvriers au début du siècle. Et continue à exister. On recense pas mal d'espaces avec des jardins ouvriers qui rassemblent diverses nationalités. Parce que, effectivement, comme c'est la crise industrielle, ça a été l'industrialisation, pardon, il y a eu une vague d'immigration massive. Et c'est aussi une réussite à Roubaix et Tourcoing. Beaucoup peuvent le critiquer, mais c'est aussi une réussite du multiculturalisme. Ensuite, ils vont continuer à développer, à demander de participer, et puis ils vont faire un manifeste. Moins de CO2 pour plus de participation. Réinvestir la ville en par la participation des habitants, en étant acteurs de leur propre quotidien, et d'être résistants et résilients. Encore un beau programme. Et ils vont développer des projets, comme vous le disiez, qui vont être l'objet de négociations avec les pouvoirs publics. En fait, ce cas pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet de comprendre plusieurs choses. Un, comment les inégalités écologiques vont être prises en charge par des pouvoirs publics et un mouvement éco-social. Deux, qu'est-ce que ça nous apprend sur le label éco-quartier ou le label durable. Trois, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'adaptation de nos modes de vie face à la finitude des ressources naturelles. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure. Très bien. Avant d'aborder la négociation de cette justice environnementale au sein du projet d'éco-quartier de l'Union, encore faut-il pouvoir comprendre de quoi nous parlons quand nous abordons les inégalités écologiques. Quelles sont les formes d'expression et de mobilisation territoriale des inégalités écologiques? Comment les pauvres, alors attention, quand je dis pauvres, c'est pas péjoratif, je fais référence au seuil de pauvreté, aux emplois précaires, aux travailleurs pauvres, aux femmes aussi, seules, avec des enfants. En gros, je fais référence aux inégalités de revenus et de situation. Comment ces pauvres s'approprient-ils les enjeux écologiques et comment s'y adaptent-ils? Et quels sont les effets sur les territoires autour de l'Union d'un projet durable? Pour vous donner quelques chiffres sur l'état du territoire, on peut dénombrer en 2011 30% de chômage, dont 30% de longue durée, dont certains quartiers, et 30% de chômage des jeunes de 17, de 18 à 25 ans. Entre 20 et 40% de la population qui sont soutenus par des dispositifs de couverture maladie universelle et de dispositifs d'aide liés à la consommation d'énergie et d'eau. La plupart des quartiers sont tous en dispositif de la ville. Zone franche urbaine, zone urbaine sensible, zone d'éducation prioritaire, plan de rénovation urbaine, contrat urbain de cohésion sociale, un ensemble de dispositifs, et je pense que c'est une des villes qui a, je pense, le plus obtenu ce genre de soutien. Et pourtant, la précarité n'est pas descendue, et pourtant, le cadre de vie des gens ne s'est pas amélioré. Il y a une déconnexion entre les quartiers environnants et le quartier de l'Union. Entre 30 et 50% seulement semblent connaître le projet de l'Union, avec un taux d'abstention assez considérable. 74% aux dernières élections européennes, vous me direz, tout le monde s'est abstenu, et 60% aux élections municipales. Il y a un sentiment d'abandon qui est relativement fort dans ce territoire. On a réalisé, avec mes collègues, notamment avec Bruno Villalba, qui est maître de conférence en sciences politiques, une enquête au sein des 8 quartiers, auprès de 600 personnes en 2013, accompagnées de
d'étudiantes qui sont en formation d'assistance sociale. On a remarqué qu'il y avait des relations entre la précarité et l'accès aux ressources naturelles. 5 quartiers sur 8 disent avoir de la difficulté à chauffer, dont 30 à 80% disent renoncer au chauffage ou s'en priver, ou faire usage de choix alternatifs. On observe aussi des relations sur la mobilité. 30 à 50% disent renoncer à leur voiture, dont 35 à 70% en raison du coût de l'énergie, du pétrole. La précarité sociale semble donc s'accentuer avec le surenchérissement des ressources naturelles. Et enfin aussi, et c'est aussi un point important, on observe des difficultés de pouvoir accéder à une alimentation saine. Plus d'un quart des personnes disent se priver d'alimentation sur des produits de base, les légumes, les fruits, le lait, la viande, alors que finalement, la ville de Roubaix est déjà en grande majorité à prix discount. Par conséquent, les inégalités écologiques ne sont pas différentes des inégalités sociales. Elles les prolongent. Il y a un cumul de contraintes entre les inégalités de revenus et le prix des énergies et des matières premières. Les inégalités écologiques sont des inégalités sociales. Ensuite, pour essayer de s'adapter à ces inégalités, les populations vont adopter des pratiques de réduction volontaire, mais néanmoins subies, de la consommation en ressources naturelles. Elles vont développer des pratiques de sobriété subies et vont précéder à une réévaluation de leurs besoins élémentaires. Elles vont arbitrer entre se chauffer ou se nourrir, être mobile ou se chauffer. Pour y faire face, il y a certaines formes d'organisation sociale et politique qui se sont mises en place dans l'ensemble des quartiers, qui s'appuient sur des pratiques culturelles, par exemple du dépannage alimentaire. Il y a une culture ouvrière très forte et une culture française d'origine aussi du Maghreb qui est très présente. Par conséquent, les actes de solidarité ne sont pas petits, mais très grands, et va amener à faire du troc alimentaire et des achats groupés organisés dans les quartiers. On va voir aussi que pour l'énergie, il y a des solutions alternatives qui vont être choisies. On va dormir chez l'un, on va dormir chez l'autre, ou sinon on va choisir des solutions encore plus consommatrices en énergie et encore plus coûteuses en prix, le feu à pétrole, le radiateur d'appoint, où on va essayer de réutiliser l'eau, des pratiques ouvrières. Finalement, plus progressivement, il faudrait l'approfondir, on pourrait observer une certaine économie souterraine parallèle qui va se développer pour répondre aux besoins sociaux et vitaux des populations locales qui vont permettre de limiter l'accroissement de nouvelles formes d'inégalité sociale. Attention, je ne dis pas qu'elle supprime les inégalités sociales. Elle permet de pallier, dans une certaine mesure, une situation de pauvreté assez importante. Et finalement, ça va permettre de créer un réseau de débrouille et de services sociaux informels. Finalement, ce que proposait Cyria Emelianoff était plutôt convaincant. Les populations les plus modestes sont effectivement celles qui sont le plus exposées au renchérissement des ressources naturelles, alors que ce sont celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Attention, ça n'implique pas qu'elles n'aient pas d'empreinte écologique ou qu'elles n'aient pas d'impact sur l'environnement. Mais elles ont un impact moins important que les populations de catégorie moyenne ou de catégorie supérieure. Le lien entre précarité et écologie est donc indissociable d'une réflexion territoriale sur la répartition sociale des contraintes de la planète. Et donc d'une élaboration d'une politique urbaine durable. C'est sur ces éléments-là que va s'opérer une négociation entre le collectif de l'Union et les pouvoirs publics. Effectivement, le qualificatif d'écoquartier va rassembler un certain nombre d'acteurs sur le territoire, parce qu'il va ouvrir un espace de négociation sur la qualité écologique du territoire et sur le bien-être des populations. Et puis, les acteurs s'entendent sur un même constat. Le dérèglement climatique et la finitude des ressources naturelles et la lutte contre les inégalités sociales vont créer un consensus entre eux et va permettre de faire de la participation citoyenne, de la démocratie participative. Ainsi, comme tout projet durable, on va mettre en place un système de participation qui va permettre de rassembler un ensemble d'acteurs pour se mettre d'accord sur les finalités du projet.
Entre 2006 et 2009, il va y avoir beaucoup de phases de participation sur la biodiversité, sur la participation en tant que telle, comment on fait pour participer dans un écoquartier, pour construire un écoquartier, et sur le développement durable. Les associations vont amener un certain nombre d'expertises importantes. Ils vont permettre de faire reconnaître l'existence de corridors écologiques, par exemple, sur le site. Ils vont permettre de faire reconnaître les pratiques de jardins ouvriers sur le territoire. Ils vont permettre d'essayer de faire évoluer les pratiques de participation. Et finalement, ils vont contribuer à alimenter le référentiel national, le référentiel local puis national de développement durable du plan de ville durable du ministère. Ils vont permettre de labelliser l'écoquartier lors du palmarès national des écoquartiers, puisqu'ils vont soutenir, à travers un courrier, la démarche mise en place par l'aménageur. Ok. C'est là où on met la seconde. Finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des négociations qui vont s'opérer entre les acteurs sous les projets, avec une expertise assez importante, une expertise urbaine de la part des urbanistes du collectif de l'Union. Mais finalement, même s'ils vont s'entendre, même s'ils vont s'écouter, ils vont s'acculturer réciproquement du dialogue et des envies de chacun, ils ne vont pas permettre de pouvoir modifier les finalités du projet. Il va y avoir une appropriation des idées du collectif de l'Union, ce qui va donner lieu à certains dispositifs, mais il ne va pas avoir de changement profond dans la manière de concevoir le projet de l'Union. Il faut aussi souligner que une des finalités importantes du projet de l'Union, c'est les acteurs économiques. Et les entreprises ne vont pas être présentes aux instances de participation, vont détourner l'ambition écologique du projet, ils vont construire plus de parkings que ce qui n'était prévu, ils vont détruire des espaces naturels pour pouvoir les reconstruire d'un point de vue artificiel, ils vont ajuster l'environnement pour pouvoir s'insérer dans le territoire, et ça va être accompagné d'une prise en charge de la part des pouvoirs publics. Finalement, et on pourra revenir sur les éléments que j'ai précisés tout à l'heure, on va techniciser l'environnement pour permettre la continuité du modèle productiviste économique sur le territoire de l'Union. On va en faire un argument discursif pour permettre et valoriser au niveau national un projet de territoire et au niveau local aussi la participation des acteurs. Mais finalement, on va maintenir un idéal de croissance et d'économie qui ne bénéficie pas à la population puisqu'on est sur un territoire tertiaire qui sollicite des emplois à forte valeur ajoutée et fera venir des emplois de l'extérieur plutôt que d'embaucher sur le territoire. Finalement, on voit que la difficulté pour les projets d'écoquartier de pouvoir inscrire leur politique environnementale en prenant en compte les enjeux globaux du dérèglement climatique et de la finitude des ressources naturelles. Et finalement, on s'aperçoit que le projet de l'Union est un processus de gentrification urbaine qui va surtout valoriser la continuité et le maintien de l'économie. Je conclurai sur deux choses. Finalement, le caractère durable et exemplaire du projet de l'Union, ça va s'appuyer sur une représentation dominante de l'environnement, qui est basée sur une représentation esthétique. Il va avoir un beau parc, il va avoir des immeubles, il va avoir des emplois, et il va avoir des pistes cyclables. Il va avoir beaucoup d'aménagements verts, de dispositifs verts. Alors que le collectif de l'Union, lui, va s'appuyer sur un discours qui reconnaît la finitude des ressources naturelles et qui demande à ce qu'il y ait une prise en compte de cette finitude pour pouvoir adapter son territoire à la crise environnementale et en prenant en compte les besoins sociaux. Finalement, une des questions qui nous avait été posée, c'était « Mais qui doit être sensibilisé à quoi ?» C'est une bonne question. Et pour terminer, on a vu que les populations modestes étaient celles qui étaient le plus exposées aux risques environnementaux. Et finalement, on va les déposséder d'un rapport à l'environnement. On va, les mettre en situation d'une difficulté d'accéder aux ressources naturelles et d'être exposés aux nuisances environnementales. Et on va les déposséder d'un projet politique et d'un projet de territoire visant à s'adapter à ces enjeux. Et pourtant, actuellement, on observe la multiplication de dispositifs pour dire aux gens comment ils doivent agir pour l'environnement. Il y a une injonction au changement de comportement. On va faire des jeux coopératifs pour apprendre ce qu'est la ville durable. On va mener des animations de loisirs
pour amuser les populations. On va mettre en place des maisons énergétiques pour apprendre aux populations quels comportements elles doivent adopter dans une maison très basse consommation énergétique. Finalement, un, ils sont exposés. Deux, ils émettent le moins d'émissions de carbone. Mais pourtant, est-ce que cela signifie pour autant qu'il faille accorder un droit à polluer ou un droit de consommation d'énergie supplémentaire? C'est une question. En effet, le dérèglement climatique, la finitude des ressources naturelles sont des phénomènes qui sont cumulatifs et qui impliquent désormais de penser notre développement dans un certain nombre de limites environnementales ou de seuils à ne pas dépasser sous peine d'être en situation d'irréversibilité. Et ça concernera tout le monde. Ces limites environnementales nous amènent donc progressivement à penser notre développement, l'adaptation de nos modes de vie, celle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sans y dissocier la recherche d'une plus grande justice sociale. Par conséquent, la prise en charge politique et institutionnelle des inégalités écologiques par les politiques publiques ne semble pas en mesure d'accorder un droit à polluer pour dédommager les pauvres des inégalités d'accès aux ressources. Cela reviendrait à ne poursuivre que des objectifs sociaux dans la justice environnementale et d'y exclure cette dimension écologique et globale. Je m'arrêterai là et on pourra en discuter après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose que nous passions tout de suite aux questions et à la discussion avec vous, les personnes assises dans la salle. Je vous propose plus précisément de peut-être commencer s'il y a des questions de clarification, vraiment des notions qui vous ont échappé ou qui ne sont pas très claires et qui seraient nécessaires à bien maîtriser pour la poursuite de la discussion. Je fais comme ça parce qu'on est un peu aveuglé. Donc est-ce qu'il y a des questions de clarification, d'explication, des questions très pratiques? Allez-y. Alors, voilà, pardon, il y a un micro qui circule parce que cette séance est enregistrée. Voilà. Oui, effectivement, j'aurais dû le préciser. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Pas sûr que tout le monde est entendu. Vous avez parlé beaucoup de difficultés d'accès aux ressources naturelles. C'est quoi ces ressources naturelles? C'est les ressources fossiles non renouvelables, là ça vous aide pas non plus, c'est l'accès à l'énergie, et donc au gaz, au pétrole, l'accès à l'alimentation aussi, le fait de permettre de limiter l'étalement urbain et d'avoir des espaces de plantation pour que les gens puissent avoir de quoi se nourrir, c'est limiter l'usage des pesticides, c'est donner accès à l'énergie, telle que nous on la consomme quotidiennement, à l'ensemble de la population. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'explication, de clarification? Oui, là-bas, je vous en prie. Au tout début, il me semble que vous avez parlé des jardins ouvriers. Et après, vous n'avez pas parlé des jardins ouvriers au début? Oui. Et après, vous n'en avez plus parlé, donc. Oui, parce que j'ai dû un peu. Oui, mais donc. Oui. Alors, je vous dis avec plaisir. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Dans le projet de l'Union, il y a un certain nombre. Il y a plusieurs choses. Déjà, un, dans le projet de l'Union, il y a 50 à 100 jardins ouvriers qui rassemblent 52 nationalités. L'aménageur et le projet d'éco-quartier a pour ambition de valoriser une perspective durable et de nouvelles pratiques. Ils ont décidé de détruire ces 50 à 500 à 100 jardins ouvriers pour aménager un complexe sportif sur le territoire. Ces jardins existent depuis le début du siècle. Elle rassemble 52 nationalités et il y a même des groupes de travail qui ont eu lieu aux plus hautes institutions locales et régionales pour décider où est-ce qu'on va mettre ces jardins. Et finalement, on va certainement les dispatcher à droite à gauche. Aussi, c'est une pratique qui est très répandue. Effectivement, c'était la capitale des jardins ouvriers. Et les populations ont gardé, pas toutes, hein, mais pas mal de personnes ont gardé cette pratique des jardins alors privés, dans leur propre jardin, ou également dans des espaces collectifs au sein des trois villes, qui continuent à être alimentés.
Avant de passer le micro à une autre personne dans la salle, est-ce que tu pourrais nous dire si, de ton point de vue et à ta connaissance, ce projet d'éco-quartier, la manière dont il a été conduit et jusqu'à ses contradictions finalement assez fondamentales entre le projet affiché et supposé et la mise en œuvre, est-ce que ce que tu as étudié à Roubaix est emblématique, représentatif de ce qui se passe en général avec les éco-quartiers, ou est-ce que c'est un cas particulier ? Bonne question. Sur les revendications, beaucoup, surtout sur l'habitat. Sur l'habitat écologique partagé ou le fait de faire de l'autopromotion et de reconstruire, de construire soi-même sa maison sur un écoquartier, oui. Et il y a beaucoup de revendications sur les procédures participatives au sein de l'écoquartier, puisque finalement on fait des procédures de participation et ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce que les aménageurs, qui essayent je pense aussi de faire de leur mieux, considèrent les associations comme des entreprises. Du coup, si elles arrivent sur un, ou des habitants, si elles arrivent sur un territoire et qu'elles veulent monter un projet, il faut que leur projet soit ficelé. Or, il y a un accompagnement progressif d'éducation populaire, même en termes techniques et de financement, qui doit pouvoir avoir lieu et qui est encore un peu difficile, d'autant plus que l'habitat écologique partagé n'est pas soumis à un code de l'urbanisme et c'est un peu compliqué au niveau de la répartition des espaces. Et sur le devenir de l'écoquartier, enfin, genre le fait que ça donne à la fin quelque chose qui semble très éloigné en fait, des principes affichés. Ça dépend des territoires. Je sais qu'il y a quand même des spécificités territoriales qui influent. Mais de manière générale, on va rester quand même sur un code de, sur des normes techniques. Donc l'efficacité énergétique, le fait de faire des déplacements doux au sein du quartier, mais pas forcément alentour du quartier. Comme à l'Union, par exemple, il y a des pistes cyclables sur le territoire de l'Union. Mais par contre, les territoires annexes n'ont pas de pistes cyclables. Du coup, il y a vraiment, je pense, des normes qui sont des espaces verts, l'efficacité énergétique, des modes de transport doux, des coefficients de végétalisation des toitures, je pense, qui sont communs à un ensemble d'écoquartiers, puisqu'il y a une grille générale qui est donnée à tous les écoquartiers qui souhaitent avoir la labellisation. Ok, merci. Alors, je vous en prie, la parole est à vous. Voilà, la personne tout derrière. Bonsoir. Compte tenu du fait qu'on vit dans un monde où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, pensez-vous que la justice environnementale peut être vraiment équitable? Merci. J'aurais tendance à dire tant qu'elle restera un mouvement de justice environnementale, je pense que c'est pas possible. Deux, je pense qu'à partir du moment où on prend en compte l'ensemble des dangers qui sont actuels, les nuisances et les problèmes de santé dus aux pollutions ou la crise environnementale qui est en train de s'accélérer, est-ce qu'elle sera équitable? C'est une bonne question. Pourquoi c'est si compliqué? Quand vous dites oui, non, vous dites non, tant que c'est un mouvement, non, ça ne sera pas équitable. Parce que si ça reste à l'état de mouvement, ça veut dire qu'il n'y a pas une traduction dans les politiques publiques. Du coup, il n'y a pas eu de dispositif de politique publique qui ont été mis en place pour pouvoir réduire les pollutions ou pouvoir permettre à chacun de pouvoir accéder à l'énergie. Le problème, c'est qu'on pourrait me dire oui, mais ça se fait déjà. Effectivement, on fait des aides pour aider les personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture énergétique à le faire ou pour payer leur facture d'eau. Mais ces aides ne viennent pas compenser une situation de manque et de revenus. Elles viennent juste tenter de réparer ou de réduire une situation de pauvreté qui est déjà présente. Du coup, on maintient... C'est bien qu'il y ait des dispositifs, mais on maintient la situation de pauvreté des populations à travers l'accès à l'énergie et aux ressources naturelles. Il faudrait effectivement, et c'est ce que je dis à la fin, c'est on ne peut pas accorder un droit à polluer. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accorder aux personnes en situation de précarité des kilowattheures supplémentaires. On pourrait les aider davantage à pouvoir auto-réhabiliter leur maison. On construit des écoquartiers, on construit des nouveaux logements, mais effectivement, il n'y a pas de politique sociale qui accompagne dans la réhabilitation des logements qui sont en situation de précarité énergétique. Et je pense qu'il faudrait certainement réfléchir à la manière dont on pourrait mettre en place une certaine égalité écologique, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès
à l'énergie de manière égale. Mais, c'est-à-dire qu'il faut le faire par rapport aux mêmes situations, c'est-à-dire les populations qui ont cette situation de précarité énergétique, par exemple, doivent avoir le même accès à l'énergie que les populations qui sont aussi en situation en catégorie moyenne et qui sont aussi en situation de précarité énergétique. La précarité énergétique ne concerne pas seulement les populations les plus pauvres, elle concerne, selon la loi, selon la norme, 10% des personnes qui payent plus de 10% de leur facture énergétique. Ou vous nos revenus, enfin plus de voilà, 10% de leurs revenus revenu à leur facture énergétique. Donc il faut pouvoir trouver des systèmes de compensation et d'égalité. En même temps, tu dis que, enfin, est-ce que toi tu considérais que ce mouvement-là, enfin ce qui s'est passé autour de cet écoquartier de Roubaix, est seulement un échec, au sens où ça s'est pas traduit finalement véritablement dans les politiques publiques au niveau des négociations, mais d'un autre côté, moi il me semblait à t'écouter que en tout cas, j'avais jamais entendu parler d'un mouvement de cet ordre-là, d'un point de vue voilà, de politique urbaine, qui s'est passé en France et comme mouvement populaire de cette façon-là. Je me demandais, un, s'il y avait eu d'autres traductions sous la forme voilà, d'appropriation populaire de ce genre de projet en France. À ma connaissance, je n'en connais pas, mais donc c'est une vraie question. Et d'un autre côté, certes, pour l'instant, celui-ci, ce n'est pas traduit, mais quand tu disais qu'il faudrait voilà, que ça se traduise, mais on pourrait considérer que plus il y aura ce genre d'appropriation, plus on pourrait imaginer que des rapports de force seraient un petit peu, voilà, se traduiraient différemment et qu'à un moment donné... Oui, effectivement, je pense que c'est vrai, je suis un peu négative, parce qu'il y a eu une lutte et que du coup, ils n'ont pas abouti. Il n'y a pas eu de possibilité de modifier les finalités du projet. Mais il y a eu quand même, effectivement, des avancées. Il y a eu des avancées sur la participation. Même si ça n'a pas abouti, il y a quand même une des conventions de partenariat avec les acteurs qui s'est créée. Après, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la dynamique effectivement populaire qui existe sur ce territoire depuis 70 jusque maintenant, puisque c'est des luttes de 10 ans à chaque fois. Et finalement, progressivement, au fur et à mesure des politiques publiques et des politiques de la ville, politique de la ville renouvelée, politique de renouvellement urbain, politique durable, il y a eu une mobilisation citoyenne assez importante qui a permis aussi d'être reconnue et d'être légitimée au fur et à mesure du temps. L'Almagar, je parlais de l'Almagar, eux, ils se sont mobilisés pendant 10 ans pour maintenir leur maison, qu'ils étaient en situation un peu abîmée, mais qui devait normalement être détruite pour aménager des tours. Ils ont permis de lutter, de faire les premières expertises citoyennes, de maintenir leur maison, de réfléchir à la gestion de proximité et la régie publique, à travers des bibliothèques, des animations de cuisine, des partages d'espaces collectifs. Ça a été vraiment une lutte importante. Ensuite, il y a eu les 10 ans aussi du collectif Canal, entre 90 et 2000, où là, effectivement, il y a eu un rassemblement, une convergence entre des associations environnementales de pêcheurs et des associations à caractère social qui ont lutté pour maintenir la biodiversité et le canal de Roubaix. Et puis, on arrive avec le collectif de l'Union, finalement, avec un héritage participatif très, très important et avec une expertise sur la démocratie relativement importante et aussi une convergence d'enjeux qui est de plus en plus forte. Et effectivement, on peut reconnaître que le fait qu'il y ait une culture populaire qui, à un moment donné, va se politiser progressivement avec une histoire collective, effectivement, ça permet de faire ce genre de convergence. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, alors ? Sous l'Union ou ailleurs ? Non, ailleurs. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Il y en a peut-être une qui est en train de se faire en ce moment. Où ça ? Notre-Dame de Nantes, ça dure longtemps. Il y a peut-être des convergences qui s'opèrent, certainement. Mais à ma connaissance, non. Parce que si on reprend l'exemple américain, l'affaire de Love Canal, par exemple, ou celle de l'incinérateur, ces mouvements, ces mobilisations que vous avez donc, toutes les deux décrites ont abouti, n'est-ce pas, à des modifications institutionnelles, réglementaires aux États-Unis. Non, l'agence l'EPA, l'agence de protection de l'environnement américaine, a suivi la mobilisation de Love Canal ou c'est tout à fait juste. Maintenant, alors d'un côté, on pourrait considérer effectivement, c'est peut-être ce qui est frappant en fait aussi si on fait un travail comparatif entre la France et les États-Unis,
Il y a plusieurs choses qui effectivement diffèrent, notamment le fait que à chaque fois ça s'est traduit par des mouvements politiques aux États-Unis, alors que là, quand tu faisais la liste tout à l'heure, et c'était très intéressant, voilà, ça s'est traduit dans des politiques publiques ou dans des enjeux, dans des objectifs, mais c'est sous la forme de propositions, de projets, beaucoup moins de mouvements, et c'est pour ça que celui-ci est particulièrement frappant, intéressant et réjouissant, enfin, quand bien même s'il a un peu raté. Pour autant, ça s'est traduit, mais avec un nombre de victimes à chaque fois absolument spectaculaire. Enfin, il y en a peu des mouvements que je connais aux États-Unis qui ont été des réussites préventives, notamment celui, le fameux projet d'incinérateur. Mais la plupart du temps, ils sont arrivés à la suite de scandales et d'un nombre de personnes qui ont subi ces scandales qui est absolument faramineux. Et c'est à la suite de ça que ces mouvements ont souvent en partie réussi, mais enfin, à quel prix voilà. Est-ce que... je vous en prie. Bonjour. Moi, j'avais deux petites questions, en fait. La première, c'est quand vous avez fait votre présentation sur les États-Unis, vous n'avez pas parlé des activistes et chercheurs. Est-ce que c'est volontaire ou c'est un oubli? Parce qu'ils ont joué un rôle important aussi dans la connaissance du mouvement de la justice environnementale aux États-Unis. Je pensais à Robert Bula, par exemple. La deuxième question, c'est finalement la différence entre les États-Unis et la France, si je peux dire. Est-ce que ce serait plus dans le fait qu'aux États-Unis, la justice environnementale se présente sous une forme de distribution des inégalités, enfin des nuisances, donc suivant une logique distributive, alors qu'en France, c'est plutôt des logiques de justice procédurale qui sont beaucoup plus mises en œuvre, en fait, dans l'exemple que vous avez donné. Est-ce qu'on peut présenter la chose comme ça pour faire la différence entre les États-Unis et la France? Donc plus distributive aux États-Unis et plus procédurale en France. Merci. Merci. Mm-hmm. Caroline ? Oui, effectivement, je pense qu'en France, c'est certainement plus procédural. Parce qu'il y a des participations, parce qu'il y a des procédures, parce qu'il y a des expertises. Et c'est ça qui va faire aussi beaucoup l'objet d'attention, notamment... dans le cercle académique, par des chercheurs sur la démocratie participative. Après, sur les questions sur l'union, par exemple, la question, c'est pas la redistribution des biens et des maux, des biens environnementaux, mais c'est plutôt la capacité à anticiper la crise environnementale, d'anticiper des enjeux qui sont futurs. Et qui sont déjà présents sur le territoire, et qui sont déjà visibles. Et du coup, ça pourrait amener à des formes d'interrogation sur la justice distributive, je pense. Tu peux, Sanya, un peu abstraire. Parce que ça interroge sur quel va être l'accès à une alimentation saine, comment on va favoriser l'accès à l'énergie, quelle population va avoir plus d'accès au pétrole, au gaz, au fait de chauffer. Et du coup, au bout d'un moment, plus on retarde ce genre de décision, et plus on va se retrouver dans une situation de surenchérissement des ressources et on n'aura pas la capacité de pouvoir y faire face. Certaines populations auront la possibilité de payer ces augmentations, mais jusqu'à un certain point. Et ça risque de toucher l'ensemble de la population. Donc il faudra certainement devoir s'interroger sur cette question. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, on va davantage s'intéresser sur, je pense, sur la localisation des industries, sur quelles sont les mesures de compensation. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va réduire l'aménagement de ces industries. On continue. On va compenser les populations en payant leurs soins, par exemple, ou en leur donnant une assurance sociale ou une protection sociale. Mais il me semble que ça ne permet pas d'interroger l'installation même de ces industries sur le territoire. Oui, pour répondre à votre deuxième question sur l'importance des activistes chercheurs de ce moment-là, vous avez parfaitement raison. Je n'en ai pas parlé parce que ça ne me fait pas parler de tout. Vous avez raison, vous avez cité Robert Bullard, qui est effectivement un des activistes chercheurs les plus importants de ce mouvement de justice environnementale. C'est lui qui a vraiment très largement fait le lien entre ces inégalités environnementales et ce qu'on appelle les rapports sociaux de race. Et puis aussi, j'avais cité juste une personne qui était Giovanna Di Chiro. Mmh. Et effectivement, elle était venue en France il y a quelques mois et elle avait beaucoup insisté, parce que c'est une activiste chercheuse, sur ces allers-retours qui étaient faits entre
l'Académie et puis ces mouvements-là. Elle avait insisté, elle nous avait raconté notamment qu'elle, comme souvent c'est le cas pour beaucoup de chercheurs aux États-Unis, ils ne restent pas forcément toujours un emploi, enfin voilà, ils ne sont pas toujours dans une université comme nous on peut l'être pendant 10 ans, 15 ans, ils vont rester plutôt 4 ans ici, c'est des contrats courts, pour le dire de cette façon-là. Et elle nous avait un petit peu raconté tout son parcours et elle avait été dans plusieurs endroits, enfin vraiment même un certain nombre d'universités aux États-Unis. Et à chaque fois qu'elle arrivait quelque part, elle allait s'intéresser au mouvement sur place. Et elle faisait notamment, on en avait eu l'occasion d'en discuter à un autre moment avec Jade, des fameux Toxic Tours. Ils organisaient ça avec souvent les associations locales. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Ce n'est pas des tours touristiques, des beaux endroits des États-Unis. Mais c'est au contraire, c'est très important. C'était de faire, effectivement, la liste de tous les endroits et les nœuds problématiques des différents quartiers dans lesquels ils habitaient. Mais c'est aussi une façon de se réapproprier ces endroits-là. C'est aussi une façon de les rendre visibles, de voir qui y habite, qu'est-ce qu'on en fait, etc. etc. Ce qui est évidemment aussi très important dans cette question-là, ça rejoint finalement... quand tout à l'heure, je vous disais que ce qui est frappant dans ces différents mouvements à chaque fois, c'est le mépris politique qui est souvent partagé à l'égard de ces différentes personnes, parce que ce sont des personnes populaires qui ne sont pas nécessairement éduquées, qui n'ont pas les codes de certaines classes moyennes favorisées pour rendre compte des différents combats auxquels ils peuvent participer. Il y a aussi une forme de mépris académique à l'égard de ces mêmes mouvements, mais qui est liée aussi au fait que souvent les chercheurs qui s'y intéressent sont des chercheurs activistes et qui sont eux-mêmes pas forcément, qui peuvent être aussi en partie dévalorisés ou dont le travail peut être dévalorisé du fait même d'être des activistes. Donc c'est très lié. Et je me permets juste de faire le lien justement avec la recherche de Caroline Jones, ce que je me demandais, c'est que on peut dire que c'est ce qui s'est passé ici. Tu as été une activiste chercheuse. Ça fait maintenant un certain nombre de temps que tu as passé là-bas et finalement c'est intéressant que un des mouvements qui finalement s'y apparente le plus, il ne s'agit pas de copier, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça se passe, qu'un mouvement populaire environnemental se passe en France, c'est ça qui m'intéresse. Et là il y a eu certains activistes chercheurs qui ont accompagné, qui sont intéressés, qui ont appris des choses surtout de ce qui s'y passait et qui peuvent en rendre compte, parce que concrètement moi j'en ai très très peu entendu parler, à part paradoxalement c'est une fois n'est pas coutume par des chercheurs. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai que c'est le fait de s'intégrer au cœur d'un conflit, d'un processus et de population. C'est à la fois suivre les acteurs associatifs, c'est suivre le territoire aussi, c'est d'aller au territoire, dans les quartiers et d'y passer ses journées. Mais c'est aussi discuter avec les institutions, avec les aménageurs, c'est de comprendre finalement quel est le dessous du conflit. Et c'est vrai qu'un chercheur qui cherche avec les gens et pas pour ou pour les gens, c'est très différent. Je pense que la nuance est très importante parce que quand on cherche avec, on a des confidences, on comprend les ressorts historiques, politiques et sociaux du conflit. Et on peut mieux saisir la manière dont s'articulent les problématiques de participation, les problèmes d'inégalité écologique et qu'est-ce qu'elles mettent en danger sur le territoire et les difficultés pour les populations des acteurs de pouvoir y répondre. Donc je pense être au cœur d'un mouvement, ça permet vraiment de suivre et de mieux comprendre la mobilisation. Attendez, si vous n'avez pas de prendre le micro, toujours pour cette histoire d'enregistrement, merci. Donc je disais, le fait d'être engagé justement, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, pose problème dans la mesure où les travaux vont être critiqués sur la base... La fameuse question de la neutralité du chercheur. Justement. Vous avez raison. Et effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il faut avoir une certaine objectivité. L'enquête dont je vous parlais a fait partie de cette objectivité-là. Le fait de suivre un mouvement de justice environnementale comme le collectif de l'Union et d'être immergé pendant 3 ans avec eux, d'avoir ce discours sur les inégalités écologiques, à un moment donné, je me suis dit, il faut voir vraiment quelle est la réalité de ces inégalités sur le territoire. Du coup, d'enquêtes qualitatives et d'observations participantes et d'immersions participantes et ethnographiques, on est passé à des enquêtes quantitatives avec une formation d'assistante sociale. Ensuite, il faut pouvoir trouver un dialogue aussi avec les acteurs institutionnels et devenir expert pour ces acteurs institutionnels, pas simplement être
considérer comme du côté des gentils et des méchants, parce qu'il n'y a pas non plus les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. La question ne se pose pas de cette manière-là, de pouvoir être souvent auditionné par les acteurs publics pour avoir des informations ou pour comprendre comment dénouer des nœuds participatifs ou comprendre pourquoi les activistes veulent tellement lutter contre les inégalités écologiques. Ça fait partie aussi du rôle du chercheur et de chercher avec les institutions locales et la réalité territoriale. Et enfin, c'est d'animer une réflexion d'enseignants, parce que les chercheurs sont aussi des enseignants. Et on participe tous à ces questionnements, de faire venir des acteurs politiques en cours, de pouvoir avoir d'autres espaces que les espaces du projet. Ça permet aussi de pouvoir avoir une certaine distance. Donc il y a effectivement des techniques de distanciation qui permettent de voir plus clair. Mais je pense que la neutralité scientifique en tant que telle n'existe pas fondamentalement et que quelqu'un qui travaille sur la démocratie participative, c'est quelqu'un qui est intéressé par les questions de participation. Quelqu'un qui travaille sur les politiques publiques, c'est qu'il est aussi intéressé par les politiques publiques. Moi, je travaille sur les questions d'environnement et d'inégalité sociale. Je suis intéressée par ces questions d'inégalité environnementale et sociale. Et ce qui est très marrant dans votre question, et je terminerai sur ça, c'est que quelqu'un qui travaille dans une institution, un chercheur, un doctorant ou un chercheur qui va travailler dans une institution, on ne va jamais lui dire attention à ta neutralité. Mmh. Voilà. Tu es dans la même problématique, c'est pour ça. Oui, non, bah, oui, ça bon, bah, on veut bien en parler après, alors. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention depuis les rangs de la salle ? Moi, sinon, j'ai une question, parce qu'en vous écoutant toutes les deux, je pense au mouvement contre les grands projets inutiles et imposés, qui est un mouvement qui s'est créé il y a maintenant 3 ans, si je ne m'abuse, en Europe, qui vise à fédérer un ensemble de collectifs qui s'opposent à des projets dits inutiles et imposés, donc qui sont en général des projets de grandes infrastructures, qu'il s'agisse de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du projet de tunnel Lyon-Turin entre la France et l'Italie, des lignes à grande vitesse, un stade, etc. Et ce qui est frappant, c'est que c'est un mouvement qui est relativement original, me semble-t-il, dans les mouvements écologistes européens, dans la mesure où, un, il essaie vraiment de se fédérer à un niveau transnational, avec un échange de témoignages, des soutiens militants d'une cause à l'autre, etc., et qu'il développe un discours qui est à la fois d'expertise économique très précis, de démontage, de déconstruction de l'intérêt économique des projets auxquels il s'oppose, donc il y a une dimension experte très forte, mais toujours liée à un discours, en tout cas souvent liée à un discours politique plus global. Et donc, on est clairement pas dans des mouvements uniquement, pas dans mon jardin, mais dans quelque chose qui se veut et qui d'ailleurs s'affirme, enfin s'affiche en tant que plus politique. Et pour autant, dans cette arène-là, j'ai très peu entendu parler de justice environnementale, d'inégalité environnementale. J'ai l'impression que c'est une question qu'ils mettent peu en avant et que c'est pas un ressort politique sur lequel ils travaillent. Et donc, je me demande si toutes les deux, vous avez une hypothèse d'explication de pourquoi est-ce que, malgré tout, alors qu'ils devraient être finalement, quand on vous écoute, finalement un peu les héritiers quelque part de ces mobilisations, historiquement, pourquoi, à votre avis, ils ne s'en emparent pas davantage ? Pourquoi ils ne le revendiquent pas davantage comme tel ? Ouais. Je pense que peut-être 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que la justice environnementale est très peu connue en France. Du coup, c'est peut-être pas un discours. C'est peut-être un discours qu'ils ont, mais qu'ils vont pas revendiquer en tant que tel. Le collectif de l'Union, il dit pas je suis un mouvement de justice environnementale. Ouais. Il a le discours, mais il le revendique pas en tant que tel. Après, peut-être un deuxième élément, c'est que les inégalités environnementales ont toujours été réservées aux politiques urbaines et au domaine de l'écologie urbaine. Et du coup, ça a très peu fait l'objet de dimensions politiques. Et du coup, effectivement, je pense qu'on a dissocié les inégalités environnementales d'un discours politique et donc on n'a jamais permis certainement de s'approprier cet enjeu-là. Et ça, ça vous semble être une situation typiquement française ou c'est quelque chose qu'on peut observer ailleurs et au contraire, c'est l'exemple américain quelque part qui serait atypique par cette histoire anglo-saxon, je pense.
anglo-saxon, parce qu'il y en a en Australie, des mouvements de justice environnementaux, il y en a aux États-Unis, il y en a beaucoup dans les pays du Sud, énormément dans les pays du Sud. C'est vrai qu'en Europe, on parle plutôt d'inégalité environnementale. Mmh. Après, ça peut tenir aussi c'est vraiment une hypothèse que je forme. J'en ai jamais discuté avec des personnes qui font partie de ces mouvements de grands projets inutiles à imposer. Mais ça peut s'expliquer aussi par l'angle même d'attaque qui est le leur. Au sens où on pourrait dire qu'il y a malheureusement, d'un certain côté, il y a beaucoup d'espace pour faire beaucoup de choses parce que, sur ces questions d'écologie politique, et que l'angle d'attaque qu'ils ont choisi, qui est cette idée étonnante dans un premier temps, pas du tout en tout cas habituelle, qui est cette question d'inutilité, traverse certainement l'action de justice environnementale, mais on pourrait dire celle-ci pourrait se déployer dans un second temps. Un stade de foot pourrait considérer d'abord comme inutile, et ensuite, si jamais alors on rentre dans les détails, alors bien sûr qu'il peut aussi poser un certain nombre de problèmes et de questions de justice environnementale, mais je pense que, bon, j'en sais rien, mais peut-être que c'était c'est la volonté de rentrer en, voilà, par un autre biais précisément sur cette question-là qui pourrait en partie l'expliquer, mais je ne sais pas. En revanche, sur les mouvements, je pensais à l'Inde, par exemple, les mouvements d'opposition à des sites industriels, on en voit en fait de manière récurrente dans l'actualité, je dirais très, très directe. Est-ce que vous voyez une différence fondamentale ou pas entre les mouvements dont vous avez parlé ici et la manière dont ces mobilisations peuvent se conduire? Je pense à l'Inde, mais j'imagine d'autres pays du Sud sont concernés. J'aurais vraiment tendance à dire qu'il faudrait regarder à chaque fois chaque mouvement et enfin chaque mobilisation, la façon dont elle se fait, pour pouvoir répondre à ces questions. Ne serait-ce que quand on justement fait ce travail comparatif à minima, comme on le fait comme ça entre les États-Unis et la France, là c'est tout à fait différent de partir d'un problème de santé ou de partir d'un problème de pauvreté plus général. Là, ça, la question que je pose, ce ne sera pas forcément des questions de frontières que des questions de la façon d'entrer dans cette question de justice environnementale. Mais dans tous les cas, ce qui est très clair et ce que Caroline soulignait, il me semble très justement, c'est qu'avec ces différents mouvements, qu'ils soient européens ou qu'ils soient états-uniens, qu'ils soient indiens, etc., c'est que ce vieux préjugé selon lequel les populations pauvres ne s'intéresseraient pas aux questions environnementales n'a plus aucun sens. Ou en tout cas, rien ne démontre, au contraire, tout démontre qu'ils ne s'intéressent moins que des populations aisées. Et que, enfin, c'était ça l'objet finalement de cette question, de rentrer dans l'action de la justice environnementale à partir de la question de savoir qui doit être sensibilisé à quoi. C'était simplement et bêtement une référence. Parfois, ce qu'on peut entendre, ce que j'ai pu entendre, ce que certains d'entre vous aussi ont pu entendre, qui serait de devoir éduquer les populations, ou sensibiliser, pour le dire de manière un peu plus polie, les populations défavorisées aux questions d'enjeux environnementaux. Mais ça dépend toujours, c'est toujours pareil, ça dépend de quoi on parle quand on parle d'écologie. Et apparemment, en tout cas dans les différentes mobilisations auxquelles on a pu s'intéresser, ou dont on peut être témoin, la question ne se pose absolument pas comme ça, outre évidemment la condescendance et l'arrogance d'une telle question, mais c'est surtout que c'est faux, en fait. C'est complètement faux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je vous propose qu'on en termine là et simplement vous signaler trois références, mais parmi plein d'autres qu'on pourrait vous donner, mais voilà, ça vous donne quelques pistes supplémentaires. D'abord, qu'il y a dans le livre collectif que Émilie H. dirige et qui publiait en ce moment, De l'univers clos au monde fini, dont on parlait au départ, se trouve un texte de Giovanna Di Chiro, l'activiste chercheuse américaine que tu mentionnais tout à l'heure sur la question de ramener l'écologie à la maison, donc où toutes ces thématiques sont développées, qui peut vous intéresser en complément de la discussion de ce soir, qui a par ailleurs un autre livre d'un autre auteur qui est paru récemment, qui s'appelle La nature est un champ de bataille,
L'auteur est un autre chercheur, Razmik Kocheyan, livre paru aux éditions de La Découverte, donc La nature est un champ de bataille, et qui propose lui aussi une présentation historique assez détaillée des mouvements de justice environnementale, notamment aux États-Unis, la question du racisme environnemental, et qui le confronte aussi aux enjeux de... qui raconte comment est-ce que ces enjeux sont démultipliés finalement avec les actions de financiarisation de la nature, la création d'actifs naturels, etc. Donc c'est une autre réflexion assez stimulante. Et la troisième chose qu'on avait envie de vous signaler, le lien est plus distendu avec la discussion de ce soir, mais il n'est pas inexistant, c'est une exposition qui vient de commencer à Paris, qui s'appelle Beyond the End, donc au-delà de la fin, et qu'il se tient à la fondation CADiste, la CADiste Art Foundation à Paris dans le 18e, et qui est basée sur un programme de recherche et de résidence initié en Terre de Feu au Chili et qui explore à la plus du côté des imaginaires, etc., mais qui passe en lien avec cette discussion sur les inégalités. Donc merci à vous deux, merci à tous et bonne soirée. Merci.